Salut tout le monde! Alors, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé suite euh, à mes deux dernières enquêtes sur euh, la lecture rapide et sur Djokovic. Ça va être une sorte de SAV euh, des vidéos. On va parler de ce qui s'est passé après les publications. Et puis, je vais aussi vous montrer quelques petites coulisses. Bon, en tout cas, c'est pas une vidéo classique. Hein. Ça va plus être un contenu audio euh, qu'autre chose. Donc, vous attendez pas un truc euh, chiadé sur la forme. Évidemment, si vous n'avez pas vu mes deux précédentes vidéos sur la lecture rapide et euh, sur Djokovic, bon, bah, cette vidéo n'aura pas d'intérêt. Donc, allez d'abord les voir. Voilà pour le préambule, donc on va commencer avec la lecture rapide. Qu'est-ce qui s'est passé suite à la sortie de ma vidéo Alors déjà, on a eu une réaction originale de France 3 qui a bah, consacré une émission entière à Mohamed Boclet, un double vice-champion du monde de lecture rapide, patron d'organismes de, de formation, etc. Hey, les amis, vous savez qui on reçoit aujourd'hui Mohamed Boclet eh, C'est du lourd ce mec hein ah, oui attention, champion du monde de lecture rapide, il va nous faire travailler notre connaissance illimitée. Mohamed, tu es le champion du monde de France de lecture rapide, capable de lire entre 400 et 1000 mots par minute. C'est un truc de malade. Bon, alors euh, maintenant c'est entre 400 et 1000 mots à la minute, alors que jusqu'à présent c'était plutôt 3000 mots à la minute, mais bon, les prétentions changent avec le temps, c'est pas grave. On a aussi France Info qui réagit de manière originale aussi, en publiant euh, en boucle toute la journée ces derniers temps euh, bah, une, vidéo, euh, une vidéo sur la lecture rapide, c'est une vidéo de brut, il doit avoir un partenariat avec, euh, avec le média brut. Et donc là, ces derniers jours, on m'a tagué pas mal de fois, il y avait, le, y avait le, le sujet sur la lecture rapide, une interview d'un des champions du monde, vendeur de formation, qui passait en boucle sur, sur France Info. Bon, sinon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez sûrement que Hugo Décrypte, par contre, a, a supprimé son reportage sur la lecture rapide. Et puis, il a, dans une vidéo, il a euh, suggéré mon enquête à son public. On a aussi l'émission Popcorn qui a réagi en supprimant l'émission qu'ils avaient fait. Euh, avec euh, un des champions du monde de lecture rapide, aussi patron d'un organisme de formation. Bon, il y a aussi quelques médias qui m'ont contacté. Il y a par exemple 20 minutes qui m'a contacté euh, pour une petite interview écrite. Donc eux, ils avaient aussi fait la promotion de la lecture rapide en interviewant un des euh, champions du monde, patron de vente de formation. Et donc je vais vous lire, tiens, l'article qu'ils ont fait, 20 minutes sur le sujet. En gros, ils m'ont interviewé moi, ils ont interviewé euh, un des euh, patrons euh, d'entreprise de vente de formation, champion du monde. Et ils ont aussi interviewé quelques scientifiques. Alors je vais vous lire ça, tiens. La lecture rapide mise à l'index par des scientifiques. Promue par de nombreux médias, les techniques de lecture rapide sont décriées par certains scientifiques. Les techniques oculaires avancées par les lecteurs rapides sont questionnées par la science. Les défenseurs de la lecture rapide ont été invités par de nombreux médias, dont 20 minutes. Une vidéo du youtubeur Milgram et un article du média Futura mettent en avant les sérieux doutes scientifiques sur les techniques oculaires. Je suis champion du monde de lecture rapide 2021 et j'ai lu l'an passé plus de 250 livres. Voilà comment Kamel Cajou se présente à 20 minutes, le temps d'une vidéo. Ce trentenaire originaire d'Île-de-France y propose ses astuces et une démonstration de lecture rapide. Tout en dessinant un S avec son doigt, il balaye rapidement les pages d'un journal de 20 minutes, puis répond plus ou moins bien à une série de questions sur ce qu'il a lu et explique le secret de sa rapidité, la lecture périphérique. Néanmoins, depuis quelques jours, une vidéo du youtubeur Gémilgramme inspirée d'un article du média Futura. Bon, c'est pas vraiment ça, c'est une de mes sources. Ouais, le, le super article de Futura, c'était une de mes sources. Mais euh, ma vidéo, c'est surtout. Euh, la plus-value de ma vidéo, c'est surtout l'enquête euh, qui a ensuite sur le, le, milieu du, le milieu des compétitions de, de sprinteurs de, de la lecture. Alors je disais donc, néanmoins depuis quelques jours, une vidéo du youtubeur Graham inspirée d'un article du média Futura fait réagir les réseaux et pointe la non-efficacité des méthodes oculaires prônées par les défenseurs de la lecture rapide. D'après plusieurs études scientifiques, il est impossible d'augmenter sa vitesse de lecture sans compromettre la compréhension d'un texte. Que dit la science face à la lecture rapide Qu'est-ce que la lecture périphérique ou paraphovéale dont parle Kamel Kajou donc pour rappel, Kamel Kajou, c'est celui qui, 20 minutes, avait interviewé, qui est tuple champion du monde, j'imagine, et puis euh, patron de... Patron d'une formation à 1500 euros pour scanner les pages d'un livre avec ses yeux en quelques secondes. Donc, pour bien comprendre les mécanismes de cette théorie, il est important de faire un point sur la composition de la rétine. Formée en partie de cônes et de bâtonnets, elle est indispensable à la vision. Les cônes se trouvent au centre de la rétine, une zone nommée la fovea centralis, située dans l'axe visuel de l'œil et où la perception des détails est la plus précise. Les bâtonnets, eux, se positionnent en périphérie de la rétine. Ils nous renvoient des informations floues et ne détectent pas les couleurs, mais uniquement le noir, le blanc et les nuances de gris, explique le chercheur au CNRS, Angelo Arleo. Donc, ils sont allés chercher un chercheur, c'est bien. Donc, lorsqu'on regarde la page d'un livre, on distingue clairement certains mots grâce aux cônes et le reste de la page nous apparaît flou à cause des bâtonnets. Ainsi, pour tout lire, nous avançons notre regard au fil des lignes et de manière saccadée. Mais pour les adeptes de la lecture rapide, nous perdons notre temps à procéder ainsi car il serait possible de se débarrasser de ces saccades et fixations oculaires. En effet, nous n'utilisons pas assez nos bâtonnets alors que ces derniers permettraient de scanner toute une page en quelques coups d'œil et de lire plus rapidement. Néanmoins, pour Saveria Colonna, professeur en sciences du langage à l'université de Paris 8, donc c'est une autre chercheuse qui sont allées chercher, les études de Karainer. Et ses collaborateurs, entre autres, montrent que la vision périphérique permet en effet de percevoir des informations, mais plus on s'éloigne du point de fixation et moins on voit clairement. Voir une page et une ligne entière, c'est impossible en une seule fixation. Ainsi, cette chercheuse considère qu'on peut aller vite si on cherche une information précise, mais c'est plus de l'écrémage que de la lecture. Dès lors il est impossible d'augmenter sa vitesse de lecture sans compromettre sa compréhension du texte. Voilà en résumé ce que disent les chercheurs qui ont interviewé, ce que dit aussi euh, ma vidéo et ce que dit aussi surtout euh, bah, l'article de Futura et le, le consensus scientifique actuel en fait sur la question. A l'origine des derniers doutes sur la lecture rapide, on retrouve le vidéaste G. Milgram, le jeune homme à l'identité secrète, c'est moi apparemment. Présente son enquête non pas comme une discussion ni un travail 100% journalistique donnant la parole à tout le monde, mais comme une enquête qui répond au matraquage médiatique quasi unanime sur ce sujet. Finalement, ce qui l'interpelle, ce sont autant les prétentions extraordinaires que l'absence dans les médias d'un questionnement autour des méthodes des sprinteurs de la lecture. Et pour ce point, il y va de sa petite explication. Enfin, C'est bizarre, je vais me citer moi-même, quoi. J'ai cité ma propre interview, le mec a le boulard. « Quand on apprend que nous, en France, on a une pléthore de champions du monde de lecture rapide, capables de lire 300 pages en 17 minutes, je peux comprendre qu'on ait alors envie de couvrir le sujet. Enfin, » Qu'est-ce que je suis compréhensif. De leur côté, Nadia et Kamel Kajou, donc là c'est les, les deux patrons d'un des organismes euh, vendeurs de formation, champions du monde, etc., etc., donc de leur côté, Nadia et Kamel Kajou se défendent et considèrent que certains scientifiques n'englobent pas tout le processus de la lecture rapide. Donc là, voilà ce qu'ils ont répondu en interview. Aujourd'hui, on pense que la lecture rapide se résume à des techniques oculaires, alors que le cerveau et l'environnement ont des rôles très importants. En effet, selon leur dire, la lecture rapide est un processus où l'on met en place des tas de techniques de concentration et de prise de notes qui permettent une lecture plus efficace. Finalement, et même si la jeune femme pense que la lecture rapide n'a plus rien à prouver, c'est une citation encore, il serait intéressant que ces derniers confondent l'ensemble de leurs méthodes à des tests scientifiques. Une idée que nous avons en tête, confie-t-il. <laughs> bon, bah déjà, c'est bien de l'avoir en tête, hein, cette idée de, de confronter. Leur, euh, leur compétence de sprinter de la lecture à des tests scientifiques. C'est super d'avoir en tête cette idée. Ce qui serait génial, ce serait de le, le faire. Quoi. A voir si euh, l'idée se transforme en, en acte. En tout cas, euh, j'espère que ça va se faire et ce serait génial si ça se fait. Bon alors, je sais aussi, parce que j'ai donné une autre interview à un autre média, et donc je sais aussi qu'il y a un autre article qui est en cours de, de rédaction sur le sujet. Et que cet autre média est aussi allé interviewer euh, d'autres vendeurs de formation lecture rapide triple champion du monde. Euh, mais l'article n'est pas encore sorti, donc je peux pas en parler. Mais en tout cas, apparemment, euh, dans cet autre article, euh, les boss de, des, des ventes de formation euh, en fait, sortent une caution scientifique, une nouvelle caution euh, scientifique à leur, euh, à leur discours et à leur prétention. J'ai hâte que l'article sorte pour qu'on puisse parler de, euh, de leur caution scientifique. Donc voilà, ma vidéo a débouché sur un... un tout petit remous médiatique hein, c'est pas grand chose il hein, y a eu quelques articles quelques suppressions de vidéos etc donc c'est pas énorme on va voir si ça continue mais il y a autre chose dont je voulais vous parler alors il y a aussi des personnes qui sont amusées à euh, contacter les vendeurs de formations/champions euh, euh, du monde pour leur envoyer le lien de ma vidéo et leur dire que bah voilà ils avaient découvert que la lecture rapide c'était euh, relativement du bullshit et qui demandaient à se faire rembourser leur formation donc j'ai eu accès à la réponse des entreprises de vente de formation. Voilà ce qu'on répond aux personnes qui demandent un remboursement. Voilà le message. Bonjour. La vidéo de ce youtubeur a été dénoncée à la police. Une plainte a été portée contre ce youtubeur. Cette vidéo n'étant rien une preuve à quoi que ce soit. Nous ne pourrons pas vous rembourser. Je vous invite à téléphoner directement à Machin qui répondra à toutes vos questions. Cordialement. Voilà, donc ma vidéo a été dénoncée à la police. Je sais pas trop... Ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire quelque chose Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dénoncer une vidéo à la police Je ne sais pas. Euh, une plainte a été portée contre euh, moi. Bon, alors pour l'instant, je vois rien venir. Je, je, je n'ai aucune nouvelle de cette plainte. Donc, est-ce que une plainte a vraiment été déposée Je ne sais pas. C'est peut-être du bluff. C'est peut-être tout simplement ce qu'ils répondent quand on les contacte sur ce sujet pour, euh, pour, gonfler, euh, pour gonfler le torse et pour, euh, pour montrer qu'en fait, ils n'ont rien à craindre et qu'ils et qu sont très sûrs d'eux. C'est probablement du bluff, je sais pas du tout. Est-ce que cette plainte a été déposée euh, dans euh, plusieurs pays Est-ce que c'est une plainte internationale Est-ce que c'est une plainte. Euh, de stature mondiale, bah ça aussi je, je, je vous le dirai. En tout cas, voilà, j'ai hâte de, de connaître les suites à cette affaire. Bon, alors maintenant la vidéo sur Djokovic. Alors, je ne vous ai pas montré la, la suite des échanges par mail avec avec euh, Tao Patch, hein, l entreprise qui vend le fameux patch utilisé par Djokovic. En gros, je vous avais montré que je leur avais fait miroiter une commande, une grosse commande à je sais plus 20 000, 30 000 euros. Donc voilà, j'avais obtenu par exemple une réduction de 10% sur le le Tao Patch Platinum à 1800 euros l'unité. J'ai obtenu 15% sur le, le Tao Patch Focus, le, le patch qui va bah, me permettre de, de réussir mes examens. J'ai quand même obtenu aussi des sparadra gratuits, des frais de port offerts. Et donc voilà, j'étais prêt à leur, leur valider ma commande pour 20 personnes en gros, à en tout, je sais plus, 25 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et donc je me suis amusé à les troller un petit peu. <laughs> Je les ai fait attendre quelques jours. Ils attendaient en fait que je valide ma commande à 30 000 balles là. Et donc je les ai fait un peu poireauter quelques jours et je les ai trollé un petit peu avec ce petit mail que je vais vous lire. Donc là, le mail que je vous lis, hein, c'est après tout ce que vous avez vu en vidéo. Hein. Après le coup de téléphone, la, la négociation avec le mec avec l'accent italien et tout, c'est après tout ça. Hein. Donc voilà ce que je leur ai écrit. Bonjour. J'ai discuté du patch hier avec mon pharmacien de quartier. Il est très impressionné par les formidables bienfaits du patch. Vraiment, il est extrêmement enthousiaste. Il m'a garanti qu'un produit médical si bénéfique allait forcément être en vente dans les semaines qui viennent en pharmacie et probablement même prescrit par les médecins. Du coup, il nous reste quelques mois pour économiser un peu et on pourra se le payer en pharmacie avec mes camarades à la rentrée de septembre pour les examens de l'an prochain. Bon, pour vous, je pense que ça ne change rien. On achètera les 15 patchs à votre entreprise dans tous les cas, juste on passera par la pharmacie. Merci pour tous vos conseils judicieux, vraiment. En fait, ça me faisait rire d'imaginer leur tête, de voir comme ça passer une... Une, une commande à 30 000 balles sous leurs yeux à cause d'un mec un peu trop enthousiaste en fait pour leurs pour leur produits, mais qui avait juste envie de les acheter euh, près de chez lui dans une pharmacie quoi. Donc, euh, donc voilà. Voilà ce que je leur ai écrit. Moi ça m'a fait rire. Je sais pas si ça vous fait rire. Si ça ne vous fait pas rire, vous êtes extrêmement méchant et, euh, et tant pis pour vous. Donc voilà ce qu'ils m'ont répondu. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous renseigner auprès de votre pharmacien. J'imagine, les mecs devaient rager pour de vrai, tu sais. Mais ils prennent des petites précautions, tu vois, pour essayer de, de revenir, de revenir dans le game et de conclure cette vente. Donc, il me remercie de m'être renseigné auprès de mon pharmacien. Donc, je continue la lecture. Il est important de faire des recherches approfondies avant, avant de faire un achat. Putain, mais ça me fait trop rire. Il est important de faire des recherches approfondies avant de faire un achat. Et nous sommes heureux de pouvoir vous aider à obtenir les informations nécessaires. Nous tenons à vous informer que les dispositifs TaoPatch ne seront jamais vendus en pharmacie. Notre société détient un brevet exclusif sur ces dispositifs, ce qui signifie que vous ne les trouverez que chez nous directement. Nos dispositifs TaoPatch Platinum sont conçus avec soin et fournissent 650 longueurs d'onde pour une efficacité optimale. Mais quel rapport avec mon Quel rapport avec la choucroute De plus, nous sommes fiers d'offrir une garantie de 3 ans sur nos dispositifs qui ne sont pas jetables, mais réutilisables sur 3 ans. Vous pouvez donc être assuré de leur qualité et de leur durabilité. Il est également important de souligner que nous n'avons pas de concurrence directe dans les domaines de, des dispositifs TaoPatch. Nous sommes constamment engagés dans la recherche. Ouais, tu m'étonnes et le développement pour offrir à nos clients les solutions les plus avancées et les plus efficaces. Nos dispositifs ne sont pas comparables avec ceux vendus en pharmacie qui sont jetables et limités à une longueur d'onde par dispositif. Mais de quoi ils parlent les mecs Si vous avez d'autres questions sur les dispositifs TaoPatch, notre équipe reste à votre entière disposition. Nous serions ravis de vous aider et de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée concernant TaoPatch. Cordialement. Voilà, voilà, voilà leur réponse. Et donc, je les ai fait encore poireauter un ou deux jours supplémentaires et j'ai répondu à leur mail en continuant donc dans ma logique de troll du mec qui est ultra enthousiaste mais qui comprend pas pourquoi un produit si merveilleux ne va pas profiter à l'intégralité de la planète et ne va pas être distribué partout et et qu'on va pas le voir à la télé et en pharmacie dans les rayons en supermarché, je veux dire ça devrait ça devrait profiter à tout le monde. Donc je continue dans cette optique et je réponds. Bonjour, merci pour votre réponse détaillée. Excusez-moi pour le délai de ma réponse. J'avoue que je ne comprends pas. Votre produit médical semble révolutionnaire et il apporte des bienfaits incroyables au corps et à l'esprit. Pourquoi ne pas le vendre à une très grande échelle pour en faire profiter toute l'humanité Il n'est pas assez connu et tout le monde mérite de pouvoir améliorer sa santé aussi efficacement que ça, et de manière naturelle en plus. Donc je ne comprends pas pourquoi vous ne le vendez pas à très grande échelle en pharmacie, grande surface, etc. Partout quoi Vous avez le brevet, je me doute, c'est votre technologie, mais vous pouvez le commercialiser partout. Expliquez-moi s'il vous plaît. Du coup, nous patientons avec mes camarades. Nous n'avons pas encore passé commande. Merci pour votre temps, amicalement. Donc voilà, je patiente. Ma commande à 30 000 euros reste en attente. Et voilà leur réponse. Merci pour votre retour. Les dispositifs Taopatch ne sont pas conçus pour la vente libre. Comme vous le savez désormais. Les dispositifs TaoPatch utilisent une technologie spécifique qui requiert des connaissances approfondies pour être utilisés de manière efficace. Un spécialiste formé peut donner des détails, peut donner des conseils personnalisés sur l'emplacement et la durée d'application des patchs en fonction des besoins individuels de chaque personne. Dans votre cas, nous vous enverrons la procédure pour vous guider dans le démarrage de l'utilisation des dispositifs. De plus, nous vous recommandons vivement d'organiser une première visite de contrôle en présentiel un mois après avec tous vos collègues. Par la suite, des contrôles réguliers tous les trois mois seront effectués en fonction des besoins individuels. C'est de cette manière que vous pourrez pleinement appréhender le potentiel et l'efficacité étendue de TaoPatch. Nous espérons que cette réponse vous ait apporté les éclaircissements nécessaires pour prendre une décision concernant le nombre de dispositifs que vous souhaitez acheter. Dans l'attente de votre retour, nous vous souhaitons un bon week-end, cordialement, l'équipe Tao Patch. Voilà, voilà donc le fin mot de l'histoire. Donc voilà pourquoi leurs patchs révolutionnaires pour la santé ne sont pas vendus à grande échelle en grande surface en pharmacie. C'est parce qu'on est trop con pour les utiliser tout seul en autonomie. En fait voilà, il faut en gros rester en contact avec l'entreprise, voir des, des, des gens formés par l'entreprise. Euh, pour nous conseiller sur les, les endroits stratégiques, euh, là où on peut euh, coller le patch et là où ça aura le, le plus d'efficacité, combien de temps les laisser, etc. Bon, évidemment, tout ça n'est absolument pas précisé de, sur leur site de vente. Hein. Euh, c'est pas dit qu'en fait il faudra euh, faire, un, un, faire un contrôle technique des patchs euh, tous les trois mois et voir avec des professionnels formés par Tao Patch où est-ce qu'on peut les, les, les mettre, euh, où est-ce qu'on peut se les coller pour qu'ils soient les plus efficaces. Hein. Ça, c'est évidemment pas, pas proposé. Mais maintenant, ça a apparaît maintenant. Bah maintenant que je les questionne un peu sur pourquoi on les trouve pas ailleurs s'ils sont si formidables, eh ben voilà. C'était donc pour ça. Le monde n'est pas prêt à utiliser cette technologie en autonomie. Ça peut pas être en vente libre, ça peut pas être vendu dans les pharmacies, il faut vraiment qu'on reste dans ce, dans ce giron de l'entreprise TaoPatch pour que l'efficacité soit vraiment euh, pleine et entière, quoi. Ouais... Bon, bah, j'ai fini par leur dire que j'étais pas un vrai client et que j'enquêtais sur leur patch. Et je leur ai, euh, je leur ai juste posé une question. Euh, en fait, j'ai pas voulu les mitrailler de questions parce que je savais qu'ils allaient pas répondre. Donc, je leur ai juste dévoilé la supercherie. Et je leur ai demandé de répondre juste à une question à savoir, pourquoi est-ce que vous mentez sur votre certification médicale CE Et, euh, et du coup, bah, voilà ce qu'ils m'ont répondu. Je peux vous le lire aussi. Hein, ils m'ont répondu. Nous vous remercions pour votre message et pour avoir exprimé votre point de vue. Nous tenons à vous informer que nous avons des engagements envers nos clients et prospects sérieux et souhaitons leur accorder toute notre attention. À cette fin, nous devons désormais recentrer nos efforts sur ces priorités. <laughs> voilà. Donc ils ont plus envie de passer du temps. Sur, sur ma, ma commande groupée. En pied-jointe, nous, nous vous avons ajouté en pied-jointe, ça fait deux fois pièce jointe de la lecture captivante pour vous permettre d'en apprendre davantage sur les produits Tao Patch et comment ceci, véritable allié du quotidien, apporte un soutien inestimable à des milliers de personnes. Nous vous encourageons donc à plonger dans cette fascinante découverte. Donc voilà, ils m'ont envoyé en pied-jointe deux études à la con qui sont déjà sur leur site, hein, que j'avais déjà vu sur leur site. Et c'est tout. Je suis frustré, ils n'ont pas répondu à ma question, ils ne répondront pas à mes questions évidemment. Et, euh, et voilà, et c'est tout. Et pour finir la vidéo, je voulais remercier mes tipeurs avec une petite surprise. Pour certains et certaines, ça fait deux ans que vous me soutenez sur Tipeee, donc vraiment merci beaucoup pour ça. Et c'est vrai que je peux pas, en fait, au début je pensais pouvoir produire du contenu exclusif, et en fait c'est impossible. Euh, je fais des vidéos beaucoup trop longues et qui me prennent beaucoup trop de temps pour pouvoir euh, produire du contenu exclusif aux, aux tipeurs et aux Patreoners. Donc, euh, Donc là en fait, je voulais juste faire un petit tirage au sort... Euh, parmi mes tipeurs et patrionneurs pour, euh, pour offrir quelques petites surprises. Donc, vous le savez sûrement déjà, j'ai une petite boutique euh, de produits artisanaux sur lequel je vends euh, des produits semi-quantiques, euh, décoratifs euh, ou utiles. Mon fameux biocompensateur géodésique version nano et euh, mon réceptacle tachyonique de corolle polypétale euh, qui est aussi euh, qui est en fait un vase, un soliflore. Alors, le biocompensateur géodésique, eh bien, je n'en ai plus en stock depuis trois jours. J'ai expédié le dernier il y a trois jours. Mais et en fait, j'en avais mis de côté exprès pour faire un petit tirage au sort pour remercier mes tipeurs. Donc il m'en reste un. Le voilà. Ça, c'est le dernier biocompensateur géodésique euh, version nano que j'ai en stock, que je vais faire gagner tout de suite. Et j'en ai un autre, une version euh, unique, unique au monde. Attention, mesdames et messieurs, le biocompensateur géodésique Black Nano. <laughs> Donc voilà, en fait j'en ai, ai qu'un seul comme ça, c'est un, un biocompensateur géodésique noir. Donc est-ce que c'est une version plus puissante que la version classique Évidemment que oui. Et donc là l'œuf scalaire il est en ébène. J'ai un seul œuf scalaire en ébène, donc il a une petite fissure là, une petite... Euh Fissure, euh, fractalo quantique, mais, euh, mais bon, son, son efficacité n'est pas remise en question. Donc voilà, j'ai ces deux biocompensateurs géodésiques à vous faire gagner tout de suite. Et je vais aussi donc tirer au sort quelqu'un pour un réceptacle tachyonique de corolle polypétale. Donc là, il m'en reste un petit peu en stock, hein, il doit m'en rester euh, 30, je crois. D'ailleurs, pour rappel, hein, si vous le commandez, en fait, c'est une forme surprise, hein, vous, vous ne pouvez pas connaître à l'avance euh, la forme que vous aurez, hein, donc, euh, donc voilà, je crois que c'était pas clair pour, pour tout le monde. Donc je vais en faire gagner un aussi. Alors 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 là voilà j'ai ma liste de tipeurs, tipeuses, très honneuses Et donc on va tirer un numéro au sort pour euh, le biocompensateur géodésique version nano, le classique. Et donc ce sera le numéro 148. Ce sera eh ben Rock Rox Rox. Ro ro ah, sérieux les gars Et eh ben Rox, merci déjà beaucoup à toi pour ton soutien. Donc bah écoute, tu as gagné cette merveille, hein. je vais te contacter pour euh, te l'expédier. Alors ensuite, on va tirer au sort quelqu'un pour le biocompensateur géodésique Black Nano. <laughs> C'est n'importe quoi. Alors, je relance le tirage au sort, le numéro 108. Allez, le numéro 108, on va aller chercher ça. Le numéro 108, Dave Bowman. Dave Bowman, et eh ben voilà. Tu, es, tu seras l'unique possesseur d'un biocompensateur géodésique Black Nano. J'espère que tu réalises ta putain de chance. Donc pareil, je te contacte et je t'envoie ça très rapidement. Et enfin, je vais tirer une dernière personne parmi mes tipeuses, tipeurs patreonneurs, patreonneuses pour gagner un réceptacle tactonique de corolle polypétale. Allez, dernier tirage au sort, le numéro 205. 205, c'est. Rodolphe, Hubert, mon Rodolphe, j'espère que tu es un poète et que tu aimes les fleurs et je t'envoie ça euh, pareil très rapidement, très rapidement, je te contacte par mail. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui me soutenez depuis, euh, certains depuis euh, deux ans et demi. Bon, en tout cas, moi, je prends pas trop de vacances cet été, je suis en ce moment même sur euh, les prochaines vidéos qui vont, sortir, euh, qui vont sortir très bientôt, la prochaine va sortir euh, dans le mois de juillet. Et puis voilà, je vous claque une petite biscalaire et je vous dis à très vite.